بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Verset de la sourate Al-Baqarah, la vache. Ceux qui méritent la miséricorde de Dieu sont ceux qui feront des efforts et qui feront des sacrifices. Ceux qui resteront spectateurs et consommateurs vont devoir répondre à des questions le jour de la résurrection. Tel, Dieu interpellera son serviteur en lui disant: « Hey, Foulen, ô toi, un tel, ne t'ai-je pas donné la santé? Ne t'ai-je pas donné une famille, des biens matériels ?» Et Dieu va lui faire la liste de tout ce dont il a profité et joui sur terre. Et ensuite, il lui dira: « Est-ce que tu pensais à ce jour, jour où tu devras rendre des comptes ?» Et bien entendu, la réponse de l'être humain est « Non, Seigneur, j'étais insouciant, j'étais même inconscient. » Et Dieu dira « Sache que si tu avais sur terre pensé à ce jour, tu aurais agi en conséquence. » Et comme ça n'a pas été le cas, « Summa la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im » On sera tous questionnés sur ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce qu'on en a fait? Comment on l'a utilisé et géré? Malheur à ceux qui auront une mauvaise gestion des dons divins. Que ce soit la santé, le temps libre, les compétences, les moyens matériels, la descendance. Bref, rien n'est gratuit. Puisque on sera questionné sur l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et on devra tous payer la facture. Et quelle est donc cette facture? La facture, la in shakartum la azidannakum. Soyez reconnaissants, prenez conscience que ce que vous avez vient de Dieu, utilisez-les, ces bienfaits de Dieu comme il se doit, c'est suffisant. Pourquoi? Pour avoir plus sur terre et dans l'au-delà. Ayez une mauvaise gestion et vous serez privé de la rahma, de la miséricorde divine. Nous sommes aujourd'hui, d'après le calendrier égérien, le 25e jour du mois de Ramadan. C'est ça? De l'année 2015. 1436. Qu'est-ce qui s'est passé le 25e jour du mois de Ramadan de l'année 658 de l'Hégire? Le même jour, comme aujourd'hui, mais en l'an 658. 1436, 658, à peu près 800 ans en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vendredi 25 Ramadan de l'année 658. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Une bataille décisive qui a permis à l'islam de continuer à exister jusqu'à aujourd'hui. Si les musulmans n'avaient pas gagné cette bataille, l'islam aurait sans doute disparu. Oui, c'est la fameuse bataille de Aïn Jalout qui a eu lieu le 25 du mois de Ramadan de l'année 658 à Aïn Jalout, à côté de la ville de Jénin en Cisjordanie. Les Mongols, le bulldozer qui va détruire une partie du monde musulman, les Mongols ont pour projet
de continuer leur avancée vers l'Afrique, en passant par Gaza, Gaza, la Palestine, l'Égypte, le Soudan, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc actuel, et tout détruire après avoir détruit une partie de l'Asie musulmane, même la capitale du monde musulman, Bagdad, à l'époque. Et apparemment, personne n'est capable d'arrêter les Mongols. Les musulmans n'y arrivent pas. Astaghfirullah. C'est pas qu'ils n'y arrivent pas. C'est qu'ils ne veulent pas essayer d'arrêter les Mongols. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas faire l'effort d'arrêter les Mongols? Parce que dans leur conscient, inconscient, subconscient, tous les conscients qui existent et qui n'existent pas, vous savez qu'est-ce qui est inscrit? Les Mongols sont invincibles. Et on ne peut pas gagner contre les Mongols. C'est même pas la peine d'essayer. T'as perdu d'avance. La défaite est d'abord psychologique. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa, à condition. À condition de quoi? In kuntum mu'minin. Vous avez vu? Tout est une question de conviction. Tu y crois ou tu n'y crois pas? Ben celui qui n'y croit pas, ben il ne peut pas réussir. Tu vas à un examen et tu te mets dans la tête que tu ne l'auras pas. Ton père, toute ta vie, t'a dit que tu étais nul, un vaurien, incapable. Ben vous savez ce qui va vous arriver? Ben tu seras un nul, un vaurien, incapable. Parce que tu y crois. Tu ne veux pas faire la preuve du contraire et faire l'effort. Ben les musulmans pensaient et croyaient que la bataille était perdue d'avance avant même de la commencer. Mais il y a des hommes et des femmes qui pensent et qui croient que on peut changer le cours de l'histoire. Des hommes et des femmes qui pensent et qui croient qu'on peut même changer le destin. Vous entendez? Le destin, on peut le modifier et le changer. يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتْ. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: quand vous faites des invocations avec sincérité, elles montent vers le ciel et le malheur qui devait vous atteindre descend. Et là-bas, là-haut, il y a un bras de fer entre ton invocation et le malheur. Et l'un va l'emporter sur l'autre. Vous entendez? On est capable de changer notre destin, de passer d'un malheur majeur à un malheur mineur, le diluer. Grâce à quoi? Grâce à l'intention, à l'effort, à l'invocation et à l'action. Les compagnons sont venus, ils ont dit: ô messager de Dieu, est-ce qu'on peut se soigner? Allez, on peut prendre des médicaments quand on est malade? D'un air de dire, ben, c'est Dieu qui a voulu qu'on tombe malade, c'est le destin, il n'y a rien à faire. C'est ça? Réponse du prophète, alayhi salatu wassalam: soignez-vous, car Dieu n'a fait descendre de maladie, si ce n'est qu'il n'ait fait descendre avec son remède. Cherchez-le. Tiens, cherchez-le, ça veut dire quoi? C'est-à-dire il faut faire des efforts. Trouvez-le, soignez-vous, vous guérirez par la volonté de Dieu. Vous avez compris? Vous avez vu? L'équilibre chez le musulman, il doit agir, il doit faire des efforts, il doit prendre ses précautions. Fahzarouhum, dit le Coran. Attention, soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. Et bougez, agissez, faites des efforts, des sacrifices. Plantez, semez, vous récolterez. Mais si vous restez spectateur et vous attendez que les malheurs s'abattent sur vous, croyez-moi qu'ils s'abattront sur vous. Alors des hommes et des femmes qui croient qu'on peut changer le cours de l'histoire vont décider d'arrêter l'hémorragie mongole et les combattre.
Mais ça demande un effort herculien. Il faut d'abord réveiller les consciences. Il faut d'abord redonner aux musulmans l'espoir et la confiance en eux. Et ça, qui va faire ce travail ? Les imams, les savants. Et à leur tête, en Égypte, à cette époque-là, ils avaient un homme exceptionnel à qui on a donné le titre de Sultan ul-Ulama, le sultan des savants, en français, le pape des musulmans. Sultan ul-Ulama, Al-Izzu ibn Abdissalam. Vous savez ce qu'il va faire avec tous ses frères savants ? Ils vont en faire toutes les mosquées et parler aux gens pour leur dire « In tansurullaha yansurkum wa yusabbit akhdamakum » « Bougez, aide-toi, le ciel t'aidera. » Si vous restez dans cette posture, les Mongols arrivent. Et vous savez ce qu'ils vont vous faire ? Ce qu'ils ont fait à vos frères et à vos sœurs de Samarcande, de Marw, de Tirmide, de Bukhara, de Bagdad, de Damas, et la liste est longue, les génocides et les massacres. À qui le tour ? Par contre, si vous faites l'effort, vous avez une chance sur deux. Soit vous gagnez, et vous allez vivre libre, dans la dignité, ou soit vous perdez, et au moins vous mourrez libre aussi. D'accord ? Et en l'espace de 9 mois, ces savants musulmans vont réussir à opérer un changement extraordinaire dans l'esprit, le cœur, la tête du peuple musulman d'Égypte. Un jour, Al-Izz ibn Abdissalam fait une conférence dans une mosquée et il incite et il invite les gens à participer physiquement et financièrement à l'effort de guerre. Il a utilisé tous les versets du Coran possibles, inimaginables, les hadiths. Oh là là. Il n'a rien omis. Et à la fin, les gens ont réagi, comme il se doit. Mais il y a une réaction extraordinaire. La réaction d'une femme qui va demander une entrevue avec Al-Izz ibn Abdissalam. Elle vient le voir et vous savez ce qu'elle lui dit ? Elle lui a dit « Je t'ai entendu, je t'ai compris, tu m'as convaincu. Tu nous as dit que tout le monde devait participer, les riches, les pauvres, les hommes, les femmes, les petits, les grands. Et je veux participer à cette bataille à la mesure de mes capacités, de mes moyens. Alors sache que j'ai rien à donner, j'ai pas un rond, pas une thune. Tout ce que j'ai qui a de la valeur, écoutez bien, c'est ma tresse de cheveux. Elle l'a coupée, elle lui a ramené, elle lui a dit « Tiens, faites-en une corde pour attacher un cheval. » C'est grâce à la sincérité et à l'effort de ce genre de personnes que le secours et la miséricorde de Dieu descendent sur nous. Quand tout le monde donnera de lui-même, même des dons symboliques, vous entendez ? Des dons symboliques. Allah est au courant de nos intentions. Si cette femme avait plus, elle aurait donné plus. Vous savez ce qui va se passer le 25 du mois de Ramadan, le vendredi de l'année 658 de l'Hégire, Saif din Qutuz mène l'armée musulmane. Il a à sa droite Baybars, il a à sa gauche Al-Izz ibn Abdissalam et ils arrivent en Palestine à Ain Jalut et c'est le face-à-face. Et le miracle va arriver puisque Saif din Qutuz dira à son armée « Il est hors de question que la bataille commence avant midi. » On met les chronomètres. Elle commencera après-midi. Vers midi 30, 13h. Ils ont dit pourquoi ? Il a dit parce que nous, soldats, nous allons les combattre sur le champ de bataille avec les épées et les musulmans,
dans les mosquées, on est vendredi, c'est le Jumu'ah, ils vont les combattre avec les invocations. Vous avez compris ? La stratégie, l'intelligence, l'effort physique, matériel, la spiritualité, l'union, l'unité, l'engagement, l'effort, en fin de journée. C'est pas que les Mongols perdent la bataille, c'est qu'il n'y a plus d'armée mongole. Ils ont tous été... Vous voyez quoi ? Et pour la première fois de l'histoire, les Mongols ont perdu. Et grâce à ces musulmans-là, l'islam a été sauvé. Alors je vous annonce une très mauvaise nouvelle. Très 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 mauvaise nouvelle. Les Mongols sont là. Ils sont présents. Et le massacre est sans pareil. Si les Mongols d'avant coupaient les têtes, les bras, les jambes, brûlaient les livres et les mosquées, aujourd'hui nous avons des Mongols qui ne coupent pas les têtes, qui ne brûlent pas les mosquées. Vous savez ce qu'ils font ? Ils prennent la tête et le cœur de nos enfants. Oui, ils fabriquent des jeux avec lesquels nos enfants jouent pendant des heures, du style GTA V. Imagine-toi un gosse qui a 6 ans, qui a 8 ans, qui a 10 ans et qui a joué pendant des heures et des jours et des mois GTA V. Imaginez-vous les dégâts. Ne vous imaginez pas les dégâts. Lisez les études faites par les spécialistes, les pédopsychiatres, les sociologues, les psychologues. Non, les psychiatres. Ils vont vous dire que c'est la pire des choses. Il vaut mieux qu'un enfant fume du joint, boive du vin, que de jouer à GTA V. Et à quoi jouent nos enfants ? À quoi jouent nos jeunes ? Les vrais Mongols sont là sur le net, avec des milliers de sites pornographiques. Et nos enfants maintenant, pas à l'âge de 15 ans, 20 ans, à l'âge de 8 ans, d'après les statistiques, ont vu, entendu ce qu'aucun adulte parmi vous ici n'a vu, entendu, dans le domaine de la pornographie, grâce à la tablette, à l'ordinateur, à l'iPhone, grâce à Internet. Que voulez-vous que cet enfant devienne quand il aura 14 ans, il aura des pulsions sexuelles? Comment voulez-vous qu'il réussisse à l'école? Comment voulez-vous qu'il continue à venir à la mosquée pour étudier le Coran qui va le protéger et recevoir des cours d'éthique et de morale islamique? Non! C'est une catastrophe. Et nous, qu'est-ce qu'on fait le 25 du mois de Ramadan de l'année 2015? On se pose des questions du bien fondé ou non de nous engager avec Al-Izz ibn Abd Salam, avec Saif din Qutuz pour combattre ces Mongols en développant notre structure, la mosquée, l'école et d'autres choses qui doivent venir se greffer pour protéger nos enfants, pour éduquer nos enfants. Parce que si nos parents ont réussi plus ou moins à nous éduquer, à nous protéger dans les années 80, 90 jusque 2000, c'était encore possible à l'époque d'éduquer ses enfants. Mais depuis l'an 2000, depuis qu'Internet s'est démocratisé, comme ils disent, généralisé. Et je vous annonce une mauvaise nouvelle. Une Mongole, Tatar, ministre de l'Éducation nationale, elle a décidé, parce qu'il y a des problèmes à l'école, nos enfants ne savent plus lire et écrire à l'âge de
11 ans, elle a décidé de distribuer des tablettes. Ouais, en CE2, CM1, CM2. Comme si le problème de nos enfants, c'était d'utiliser ou non une tablette. Mais il sort du ventre de sa mère, il sait déjà utiliser l'iPhone, le gosse, aujourd'hui. Il sort du ventre de sa mère, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il allume l'iPhone et il va sur n'importe quel site. C'est ça le problème de nos enfants? Au contraire, le problème de nos enfants, c'est que ils sont pollués par les ondes, sont pollués par l'image, sont pollués par le bruit, ce qu'ils appellent la musique, là, satanique. Non. Écoutez bien. Écoutez les jeunes, écoutez. Les parents, fermez vos oreilles, ça ne vous concerne pas. Vous avez fait votre travail. Écoutez les jeunes qui êtes mariés, les autres qui vont bientôt se marier, ceux qui ont des enfants, ceux qui vont en avoir bientôt. Vous faites des gosses et il y en a qui attendent pour vous les prendre. Et Dieu dit dans le Coran, « وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا » La pire des choses qui puissent arriver à un être humain, vous savez c'est quoi? C'est de perdre ses enfants. Et que notre enfant décède, c'est pas la fin du monde, parce que c'est écrit quand on doit mourir, on peut rien faire. Mais que ton enfant soit vivant, tu le regardes, et c'est un zombie. Là, ça fait mal. Les connexions à l'intérieur ne se font plus. Là, mon frère, tu vas pleurer, tu vas souffrir. Allah, on n'a pas le choix. Écoutez bien. Nous n'avons pas le choix. Il nous faut des vraies structures qui vont répondre aux défis. Et le défi. Vous savez, c'est quoi ? C'est préserver, protéger nos enfants. Et je vous le jure, wallah, vous n'arriverez pas à les protéger avec les structures qu'on a aujourd'hui. Vous avez intérêt d'évoluer, de les développer. Vous n'avez pas le choix. Il vous faut une école privée, du primaire jusqu'au lycée. École privée, tu déposes ton gosse le matin, à 7h30, tu le récupères à 19h30. Et il est entre de bonnes mains. Son bac, il a 15 ans, pas 18 ans. Mais c'est du boulot, il n'y a rien de gratuit. Vous avez intérêt de couper vos cheveux et de les donner. Oui, rasez votre tête, pesez vos cheveux et donnez le poids d'or de vos cheveux. Oui, bon, ceux qui ont déjà le crâne rasé... On ne va pas gratter beaucoup. Hein. Ouais. Rasez votre tête, comme l'a fait cette femme, et donnez vos cheveux, fils Abilillah. Ouais. Sinon, ils vont nous prendre nos enfants, fils Abilillah Shaitan. Bien sûr. Ils vont leur donner gratuitement des tablettes, un abonnement. Gratos, vas-y, écoute et regarde tout ce qui va t'empêcher d'être stable afin que tu deviennes un animal de consommation. Je répète, le vendredi 25 du mois de Ramadan de l'année 658. Vous vous souvenez de la date? Et aujourd'hui, on est combien? Le 25 du mois de Ramadan de l'année 2000. Ouais, attends, on est en France. Ouais. 2015. C'est bon? Ben aujourd'hui, il faut gagner la bataille contre les Mongols. Comment on fait pour gagner la bataille contre les Mongols? Chacun participe. Tout le monde. Allah, 1 euro peut changer la donne. Parce que Dieu est au courant de ce qu'il y a dans ton cœur. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, 1 euro, aux yeux de Dieu, peut avoir beaucoup plus de valeur, de poids et d'importance que 1000 euros. Parce que celui qui a donné 1 euro, il n'en avait que 2. Il a donné la moitié de ce qu'il a.
Celui qui a 1000 euros, il en avait 100 000. Il a donné 1% de ce qu'il a. C'est qui le meilleur? Celui qui a donné la moitié. Logique ou pas logique? Logique. Bon, il faut que je m'arrête, c'est ça? On peut continuer. On peut continuer. Non, les gens, ils sont là, ils sont en attente, c'est ça? Et puis, les percepteurs d'impôts, ouais, sont debout. Allah yahfadouk ya akhi. Wallah, ils souffrent, ces gens-là. Wallah l'adim, je vous jure qu'ils souffrent. C'est pourquoi ils souffrent. Parce qu'ils ont la responsabilité de construire la maison de Dieu. Et ils sont obligés tous les soirs de se prendre la tête et de vous prendre la tête pour pouvoir payer les factures qui sont sans pitié. Wallah qui souffre. Vous savez, c'est laquelle la meilleure des places? C'est la vôtre, assis par terre, au milieu de la foule. Ça, c'est pas la meilleure des places. Astaghfirullah, pardonne-moi Seigneur. Aux yeux de Dieu, c'est la meilleure des places. Vous entendez? Aux yeux de Dieu. Mais si tu regardes ton ego, ton nefs, wallah, mon frère, t'as pas envie de le faire. T'as pas envie de le faire. T'as pas envie de le faire parce que c'est dur de tendre la main. Mais en vérité, ils cherchent pas à prendre de l'argent pour eux. Ils cherchent à prendre de l'argent pour le remettre entre les mains de Dieu. C'est à leur honneur, non, vous trouvez pas? C'est à leur honneur. Allah ibarak. Qu'Allah leur donne la force de continuer. Vous entendez? Priez, hein. Parce que le jour où il faut un dépôt de bilan, on n'est pas clair. Il faut un dépôt de bilan, on est mort. Tout s'arrête. Je connais des mosquées en France où ils ont démissionné. Vous savez ce qui se passe? Certaines mosquées en France, en ce moment, vous savez ce qui se passe? L'affaire était au tribunal. Ils se sont bouffés la gueule et les avocats sont en train de gagner des milliers d'euros. Quand vous avez des responsables intelligents, sincères, à la hauteur, efficaces, dites l'alhamdulillah et soutenez-les. Ouais. Parce que le jour où ils en ont marre, on n'est pas clair. Allah ybarak, Allah yahfadhum.